I'm twerking for you, baby. I'm twerking for you. Pourquoi ta note là, pourquoi t'es en bas là comme ça? Ok, on refait. Ok. Poppy, Poppy, in the pumping in the club. What you wanna do? Hi everyone, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, ça fait longtemps. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va tranquillement. La vie suit son cours. En vrai, de vrai, je fais que faire des vidéos de danse et tout et tout et tout. Mais je fais jamais de vidéo. Enfin, vous me connaissez pas. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit FAQ et ce serait un moyen aussi pour moi de me présenter à vous, que vous en sachiez un peu plus sur moi. Voilà. Alors déjà, il y a Sarah in the club. Hello. Ouais, Sarah, ça va? Ouais. Ouais. Ok, trop bien. Avant de faire la FAQ, je pense que je vais me présenter un peu, genre. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Clyde. Vous avez quel âge? J'ai un. Ah, intéressant. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, dans la vie, je fais beaucoup de choses, mais j'aime bien la danse. Du coup, je fais la danse et parfois, j'aime bien filmer des choses aussi. J'aime bien filmer des choses, du coup, je poste et tout, mais c'est cool, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la danse, votre passion? Qu'est-ce qui vous a animé pour faire la danse? Bah, depuis tout petit, j'aime bien danser. D'accord, et c'est quoi qui vous a inspiré à danser? Michael Jackson et Beyoncé. C'est j'aime quoi ta couleur les... préférée? Ma couleur préférée, c'est le... J'aime bien le rouge sur le blanc, comme le sang sur la neige. Waouh. Ton animal préféré? Le hamster. Ta fleur préférée? La tulipe, rouge. Rouge? Ouais, j'aime bien. Ah ouais? D'accord. Mais bah... aïe! Ton chat, il est raciste! Oh, bah présentation, Yuka, va s'en foutre. Attrape-le un peu. Présentation de mon chat. Alors, j'ai un chat. Non! Il se bat avec Sarah là. Voilà, wouh! Applaudissez mon chat! C'est mon chat. Oui. Poppy, viens là un peu. Non. Donne-moi Poppy. Non. J'aurais dû l'appeler Poppy. Il s'appelle Yuka, il est cool. Il est un peu raciste, mais ça va. Maintenant que je me suis présenté un peu, bah, je vais répondre à des questions que vous, les internautes, avez posées à moi, Clyde. C'est parti! Première question. Number one. Comment être riche? Pour être riche, en fait, il faut faire ce que t'aimes. Voilà, mais il faut pas le faire gratuitement. Donc quand t'es bon à quelque chose et que t'aimes bien faire quelque chose, le fais jamais gratuitement et travaille à fond, donne-toi à fond. Et je pense que c'est comme ça qu'on devient riche. Bon, après, je donne des conseils, mais je suis pas riche. Mais je compte sur vous, les internautes, pour m'en riche. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Donc comment être riche? En s'abonnant à ma chaîne. Period, yes, point blank, yes, et non, ma queen. Let's go, question suivante. Question suivante. J'ai dit ça. Top 3 de tes plats préférés. Oh, en plus, j'ai eu cette conversation récemment avec des gens que j'aime bien. Et j'aime beaucoup les pâtes au saumon. Mmh. Avec de la crème et tout. J'aime bien. Mmh. C'est bien chaud. Et surtout en hiver, ça fait du bien. Avec quel type de pâtes? Soit des tagliatelles. Mais après, il y a plein de pâtes que j'ai découvert récemment et que je vois dans les magasins et tout et tout. Genre, comme ce qu'on avait vu là, les pâtes un peu épaisses. Il y a plein de pâtes intéressantes. Du coup, j'aimerais bien tester avec tous les types de pâtes. Okay. Mais des pâtes pas trop épaisses, parce que sinon la crème, ben, elle serait pas bien mise en valeur par les pâtes. Ok. Plat numéro 2, Dombré. Entre autres origines, je suis originaire de Guadeloupe et c'est un plat que je mangeais de temps en temps avec mon père et que j'aime bien. C'est quoi? Il y a des haricots, de la sauce, ça se mange parfois avec du riz, parfois sans. Il y a des morceaux de viande, etc. Il y a des boules de farine aussi. Ooh. Et c'est... Ça a l'air succulent. C'est... Ouais. Ça fait du bien. Genre, c'est vraiment un plat empli d'amour et tout. Quand c'est bien épicé et tout, bah voilà, c'est bon. Et mon premier plat, top 1, c'est le riz sauce arachide avec du poulet. Mais pas le mafé. Parce que pour moi, j'ai goûté du mafé, ouais. J'ai goûté du mafé dans le plat que j'aime bien. Il y a beaucoup plus de sauce, ou alors c'est la manière dont mes parents le faisaient, mais il y avait beaucoup plus de sauce arachide. Et c'était beaucoup plus, un peu plus pâteux que le mafé. Le mafé, c'est genre juste une sauce, mais avec la pâte d'arachide, c'est vraiment genre plus pâteux. Et ça, je pouvais en manger, mais 4 casseroles, c'est tellement bon, avec de la viande là, un peu marinée, et des épices, un petit peu de persil, des clous de girofle, peu de laurier. Donc voilà, mes plats préférés, wouhou. Next question. Ouais. Une réaction sur les débuts de Baby Monster. Bon, ok. Je crois que vous avez décidé de dire les termes. Baby Monster, pour les personnes qui savent pas, c'est un nouveau groupe de K-pop de l'une des plus grosses entreprises, une des plus grosses maisons de disques coréennes. C'était censé être les successeurs de Blackpink. C'était censé être parce que du coup, la chanson est sortie.
Bah, je vais pas vous cacher que je trouve ça un peu nul. C'est mon avis. J'adhère pas du tout parce que ce soit en termes de musique, l'instru à la Cardi B, Up, c'est Up qui sonne un peu comme ça. On dirait Up, mais on dirait aussi Press, 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 Press. Avec le piano là, Pon, Con, Con. Enfin, l'esthétique Cardi B, enfin, je sais pas, c'est en demi-teinte. Blackpink, elles ont débuté avec Boombaya. Tu vois, 21, elles ont débuté avec Fire. Je sais pas comment expliquer, mais des trucs qui bougent. Des trucs qui réveillent, des trucs qui bougent, et c'est censé être le nouveau groupe, c'est censé être le souffle de jeunesse, en termes de chorégraphie même, enfin, après j'ai pas tout vu, mais I don't know, I'm not excited at all. Pareil, le clip, les filles dedans, elles s'inventent une attitude, I'm a bad girl, roof, I sting you like a bee. To me, it's not giving. Bon, mais c'est un autre débat, parce que c'est la K-pop de maintenant, je pense, et je pense que du coup, les fans vont aimer, beaucoup de gens vont aimer, que peut-être que bah, c'est plus trop ce que j'aime, enfin, je suis plus trop le public pour ça, et que ce qui m'a fait entrer et aimer et rester dans la K-pop, bah, c'est plus ça. Donc oui, non, j'ai pas... 3 sur 10, pour le coup, j'ai pas aimé. Mais il y a de la place pour le progrès, donc peut-être qu'un jour, il y aura un truc que j'aimerais bien. Voilà. Eh bien, on peut découler sur la question. Toi, t'en as pensé quoi de Baby Monster? Est-ce que la K-pop t'intéresse toujours autant? Mais... Alors, c'est une très bonne question, hein. Une très belle manière de rebondir. Oui, voilà. Sur ce que j'ai dit. Eh oui. Pour faire court, non. Mais pour être honnête, oui. Parce que plus le temps passait, plus je vois que la K-pop évolue. Et je pense sincèrement que la K-pop évolue pour plaire aux Américains. Je sais pas d'où c'est parti. Pour moi, c'est parti avec BTS quand ils ont commencé à faire des Boy With Love, Dynamite, etc. Cette dynamique de faire des versions en anglais pour plaire aux Américains, pour moi, je comprends pas parce que si moi, ça m'a plu, je pense qu'il y a aussi des Américains à qui ça a plu. Et la manière dont le marché s'est formé, la manière dont ça a grandi, bah, c'était avec la particularité de ne pas forcément tout faire pour plaire aux Américains, d'avoir ce côté kitsch et original et intéressant, parfois un peu bizarre, parfois on trouvait ça un peu nul. Enfin bref, il y avait toujours ce truc particulier. Et en essayant en fait de rentrer vraiment vraiment dans la tendance pour les US people, bah ça s'est un peu dilué je trouve et c'est devenu un peu blend. Il y a moins de, d'originalité. Donc est-ce que j'aime toujours la K-pop? Oui, j'adore ça. Mais est-ce que j'aime toujours la K-pop de maintenant? Est-ce que la K-pop de maintenant m'intéresse? De moins en moins parce que c'est vrai que c'est rare que je trouve des chansons ou des artistes qui me catch toujours. À part par exemple New Jeans, elles me plaisent beaucoup parce que bah, elles ont ce truc encore un peu kitsch. Il y a quelque chose et la musique est cool, même si c'est très inspiré américain, etc. Bah, il y a toujours ces petits trucs originaux que j'aime bien. Donc voilà. Thank you for your answer. Né comme ça, Nida. Next question. Né question. Comment avoir du style? Comment avoir du style? Ouais. Je pense qu'il faut surtout croire en soi et croire en son esthétique. T'as des choses que t'aimes bien, que les gens aiment pas forcément. Et c'est pas parce que t'aimes pas les mêmes choses que la majorité que tu dois essayer de leur ressembler. C'est justement ça, ta particularité, même dans ton physique, des choses qui sont différentes de la norme et qu'on va point out, bah, il faut pas que t'en fasses quelque chose qui te shame. Il faut pas que tu te laisses avoir honte de ça. Il faut que t'en sois fier, il faut que tu revendiques. Et je pense que c'est ça qui crée ton style, tes goûts et tes particularités et voilà ce que tu aimes et ce que tu es tout simplement. Donc pour avoir du style, il faut se rendre compte qu'on a déjà du style, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut mettre, de ce qu'on veut faire. Voilà. Ok. Ok, next question. Un cover. Le prochain cover, c'est dans pas longtemps. Oh, Mystery Kungume, coming soon. Coming soon. Né, kidea jiseyo. Né. Ok, du chant. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Voilà. Est-ce que vous allez chanter à mon anniversaire qui sera le 17 février prochain? Ouais, un jour je vais chanter, hein. En mais plus, oui, chante. Ouais, vas-y, chante un peu. Non, toi, c'est ta chaîne. Comment pécho mon crush? Comment pécho ton crush? Alors déjà, pécho en 2023, ça se dit pas. Une technique qui marche à chaque fois. Tu fais ta vie, ma belle, mon beau, ma beauelle, ma bielle. Tu fais ta vie, tu fais ton truc au maximum. Tu fais tout ce que t'as à faire. Tu grandis, tu évolues, tu glow up. Et tu vas voir que ton crush va... te remarquer, ou alors il s'en foutra complètement de toi, mais il ne vaudra pas la peine parce que tu auras déjà fait ta vie, il sera incroyable et que tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de lui pour être incroyable dans la vie. Vas-y, doucement, mais sûrement. Simplissa, pero simpausa. Wow! How many languages do you speak? Oh my god, je parle français, anglais, espagnol, japonais, korean un tout petit peu. Créole de Guadeloupe, je comprends, je parle aussi, mais je parle pas, je suis un peu trop timide pour parler.
Et c'est tout, hein. J'ai oublié. That's a lot. Yeah, 7. 네, 감사합니다. Next question. Quel pays voudrais-tu visiter le plus? Prépares-tu un voyage prochainement? Maybe. Non, en vrai, non, j'ai pas d'argent. Les gars, j'ai des projets qui nécessitent de l'argent. Pas de voyage pour l'instant, mais le prochain voyage que je fais, ce sera au Japon. Ooh. Ouais, j'ai déjà été plusieurs fois, mais j'ai envie d'y retourner parce que ça fait longtemps. Sinon, bah, j'aimerais bien visiter l'Italie. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de racistes là-bas, mais j'ai un peu envie de visiter quand même parce que j'aime bien le pays. Et la Grèce, j'aimerais bien aller en Grèce parce que je suis fan de mythologie grecque. Du coup, j'aimerais bien aller dans des endroits genre Olympe et tout, des endroits avec du lore. Mmh. Le lore de la mythologie. Mmh. C'est à peu près tout. Si, j'ai envie d'aller en Islande. Moi aussi. Ouais, je vais aller en Islande pour voir les aurores boréales. Oui. Merci pour ta réponse. Mais... Et merci pour la question. Ton top 3 de tes vidéos Kyojin Films? Mon top 3 de mes vidéos Kyojin Films. Alors, déjà, oui. C'est quoi Kyojin Films? Ouais, Kyojin Films, c'est mon compte sur lequel je mets ce que je filme parce que j'aime bien faire de la vidéo aussi, genre être derrière la caméra. Bon, je vais en dire 3 que j'aime beaucoup. Une que j'aime beaucoup, c'est Ditto de Horizon Crew. Déjà, la chanson, elle venait de sortir. Du coup, elle m'affectait particulièrement. Elle était très dans le mood triste, hot, fall, winter vibes. Même le clip m'avait beaucoup plu. Enfin, j'étais très très touché par le mood. J'ai filmé avec le groupe dans un parking où il n'y avait personne. C'était un mood un peu avec du vent, uniforme d'écolière, un peu la nostalgie, etc. Numéro 2, XG, Shooting Star. Oui, oui. Shooting Star de Lucas. Parce qu'ils ont d'aide et que ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer aussi et à la monter. Et une dernière. Une vidéo dans laquelle elle est sur sa propre chaîne, c'est une de mes vidéos préférées, qui est trop mignonne avec son œuf là. Voilà, son truc et tout. C'est un cover de Pop de CSR. Allez la voir parce que j'ai archi kiffé. J'ai archi kiffé le mood, genre quand ils étaient habillés. Là, en plus, ils étaient à fond et j'aime bien, j'en filme avec des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font et tout et tout. Du coup, c'était archi cool. Franchement, il y avait un mood en plus sur les champs et tout. Il y avait une sorte de petit coucher de soleil et tout et tout. Beau. Donc, chic chic. Là, c'est les vidéos qui me pop, mais j'en ai filmé beaucoup. Honnêtement, j'en ai filmé beaucoup. Et toutes les vidéos que je filme pour Matthews aussi. J'aime trop. Oui. J'aime trop tous les trucs qu'on fait avec Matthews et tout. C'est chic. Donc, allez les voir aussi. Voilà, Matthews qui est la mother de ma house parce que je fais partie d'une house. Et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais en tous les cas, shout out to my house of Owens, ok? Shout out to my Kiki house of Savage, et voilà, gros bisous à mes mothers. Gros bisous à vous, et much love, I love you, yeah. Next question, est-ce que t'es un mec romantique ou pas? Non. Ah ouais? Absolument pas. En vrai, de vrai, when I'm in love, I'm in love. Ma manière d'être romantique, c'est... juste ne pas être sur la défensive. Il y a des trucs que je fais que quand tu me connais, tu sais que c'est romantique entre guillemets ou que c'est mignon parce que je suis pas en... Je baisse mes murs. Parce que voilà, j'ai vécu beaucoup de choses aussi en amour. J'ai beaucoup souffert. J'étais un peu aigri de l'amour, etc., etc. Enfin, oui, je pense qu'en fait, je le suis. C'est quoi pour toi être romantique? C'est ça. Qu'est-ce qui est être romantique? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation? Romantique, pour moi, c'est un peu un cliché. C'est, tu sais, t'emmener au restaurant en terrasse avec du vin et des pâtes. Manger des spaghettis. T'as un violon derrière. Et toi, ouais, j'aime ça pour toi. Non, et ça, puis, je trouve ça un peu... C'est un peu cucu. Ouais, c'est un peu niais. On a un feeling. I will express them. Et je pense que ouais, c'est ça mon love language. C'est genre reaffirming words, words of affirmation. Genre je te le fais comprendre clairement. Ouais, mais ça peut être aussi du romantisme. Ouais. Alors, je pense que des fois je fais des cadeaux pour rien comme ça ou je fais des trucs comme ça. Gestures. Ouais, des small gestures. Ouais, c'est romantique en vrai. Ouais, donc ouais, un peu je pense. Maybe. Toujours cool. Ouais. Next question. Question. Si tu devais choisir une marque pour te représenter, ce serait laquelle et pourquoi? C'est dur comme question. Ah ouais, un peu. Là, tout de suite, je pense à Mugler. Parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup ce qu'ils faisaient dans les années 90, etc. Pour moi, c'était iconic, littéralement iconic. Même quand ils habillaient Beyoncé. À chaque fois, Beyoncé qui apprend du Mugler, il y a des pièces, tout, des armures. Enfin, l'armure qu'elle a dans Sweet Dreams, c'est du Mugler, il me semble. Il y a plein de marques que j'aime beaucoup. Eh ben écoute, dernière question. C'est pas une dernière question. Ouais, c'est pas une question, mais c'est plutôt... moi aussi, c'est une question ouverte. Okay. Ton parcours de vie avec un hot. Mon parcours, bah déjà hot pour toi. Alors qu'est-ce que je devrais dire, genre professionnellement, mes traumas. On se racontera nos traumas quand on se connaîtra un peu plus, mais ça va venir. Mais pour l'instant, on va rester dans le
Joyful, joyful. J'ai fait des études littéraires. J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait des études de lettres. Ensuite, j'ai fait des études de langue et de littérature. Ensuite, je me suis spécialisé dans les relations internationales. J'ai travaillé dans plusieurs trucs, dont un collège. Gros, gros bisous à vous, les anciens étudiants de ce collège en question. Vous vous reconnaîtrez. Love you, down. Je me souviens de vous tous et toutes et je vous aime fort, fort. Vous êtes dans mon cœur, comme ça, comme ça. J'ai fait des covers. Des covers de K-pop, je fais des vidéos de danse depuis à peu près 5-6 ans et je fais plein de trucs hyper cool. Les random. Ouais, les random. Gros bisous à toutes les personnes qui viennent à mes random. Much love sur vous aussi, vous êtes dans mon cœur. Et voilà quoi. Et comme ça, je vais résumer. Je pense que je vais raconter ça plus tard dans d'autres vidéos et tout et tout et tout et tout. Ouais, mais hier. Yeah. Un drama life. Un quoi? Un drama life. C'est quoi un drama life? Tu connais pas? Non. C'était à l'époque, avant, c'était en mode tu fais des dessins pour faire. Comme une biographie, mais en dessin. En mode, ah ouais? Je suis née tel jour et tout, et tu fais un dessin et tout. En mode, c'est la nuit et tout. Eh, trop bien. Mais du coup, c'est toi qui vas dessiner. Non. Parce que moi, je sais pas dessiner. Mais c'est pas grave. Les gens, ils savent pas dessiner. Tu fais des sticks. Ah ouais? Stick man. Est-ce que, genre, je raconte l'abandon? Mes parents m'ont abandonné, je mets toi et je tombe dans une poubelle comme ça. Ouais. Oh my god, trop cool. Waouh. Bah trop bien, c'est la fin de cette question. Merci pour les questions. Merci à tout le monde pour les questions. Et voilà, gros 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 bisous. On va se retrouver plus tard je pense pour des updates sur ma life ou des trucs comme ça. Et de la danse aussi, et du chant, et des bêtises. Mais oui, et... tu sens vraiment par contre. Ouais. I feel... Non mais vraiment, tu dois ouvrir une vidéo. Mais fais un beat. Est-ce que tu dois ouvrir une vidéo, genre tu cliques et c'est vrai que ça va... Okay. Attends, t'as pas une guitare? Tu te poses comme ça dans le coin. Il y a une guitare juste là. Hein. On va finir sur un concert en guitare voix. Mais en plus, elle est trop belle. Ouais, t'as vu, hein? C'est la guitare de ma sœur, Cassandra. Sweet. Come, see me to the floor. If you pop that pussy. On va refaire la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se fait de gros bisous. In the club, yeah, I'm popping for you, I'm twerking for you, baby, I'm twerking for you. Pourquoi ta note là, pourquoi t'es en bas là comme ça? Ok, on refait. On hardwood floors, tens across the board. Oh, tens across the board. Yeah, yeah. Give me faith. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Like et partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve plus tard pour une chanson d'amour. Never like you like before. Je connais ces accords, c'est quoi la chanson? Oh oh. C'est la chanson de... Tu connais Tori Kelly? Oui. Tori Kelly? Oui. C'est une chanson de Tori Kelly. Ok. Ça s'appelle... On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et merci beaucoup d'avoir regardé. Gros bisous, baby. Je fais des bisous dans le cœur et dans le cou. Si tu me fais un bisou, c'est qu'au dessus de toi et moi, y a du haut. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. Merry Chrysler.